Ma Mission TV, le miroir du monde. Je voudrais vraiment ici passer un message que la 6e et la 7e vague seront les dernières qui vont aller à Kanyamakassi. Les prochaines vagues vont aller dans un lieu que nous tenons un peu secret. On va être plus sévère. Les 375 Kuruna que vous voyez ici devant nous, c'est pour la 6e fois que le général Kasongo, qui est le commandant des services nationaux, va pouvoir les acheminer à Kanyamakassi. Nous allons les amener à l'aéroport. Ils vont aller à Mbujuma et de Mbujuma, ils vont aller à Kanyamakassi. Au fur et à mesure que nous avançons, Bakuruna, Bakuzana Susu, avec une chasse Bino Bakuruna, Boye Sarabaninga Bino, Batika Moussala et Kuruna. Ceux qui batikite, Bakuruna Bino, il va y avoir Bino Bakuruna. Tant que le phénomène Kuruna va exister dans la ville de Kinshasa, nous deux là, vous nous verrez toujours sur le terrain. Nous n'allons pas nous fatiguer. La population a dit que l'État qu'on les battait. On continue de traquer les Kuruna. On a dit que les Kuruna ont dit qu'ils ont été dans un quartier, surtout dans un quartier périphérique. Alors, la police a aussi un peu. De façon que Batouana a trouvé comme un bob. Mais tout le monde qui est Batouana, qui est comme un peu comme un sec. Quand je suis comme le coup, le boulot, je suis comme un peu pour être négouna. Je crois que la 7e vague aux Assouk après. Ba mezi usio ya makasi ya kuzala. Ya kubomate. Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae.
Monsieur le gouverneur de Kinshasa. Excellent. C'est donné. Bonjour pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de la présentation des inciviles qui terrorisent la ville de province de Kinshasa. France, Kanyama, Kassese. Commandant, c'est province, c'est principal, Bombo, Mandela, Pepe. Lira, hop! Il y a un enlèvement, presque. Non, viol, enlevez la porte.
Le jour où, mon général, le jour où il y a tout ça là défilé dans Zalaka. Le jour où tout ça là défilé. Donc, je pense à Ishiko. L'idée qu'il y a, Togo Oumela, Togo Bimate, donc Nathalie Siko, na Ajo Nazanango, Nabo Takuna, Nabala, Ndebo, selon Bamate, Ababako Teabiso, Nabo Takuna, Navanda, Nabala, Yangusko, et Salinga Mtema Bianti. Et ça, je suis très bien. 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 Je village Kachabwa. Bien. Je suis très 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 bien. Je Na yo ya suko na gom na matamba pa mo a edingai apesinga pe bilamba na yo ko mana nganda jika inspecteur ya nganda jika Faustin Bikai akanyinga batinga na prison na prison na sali 1 mois basali ba yokinga po nzoto na ngasona la kisho oko muna Nyanzo Elia Kinga Nzo Tumubimba Tina Babamba Boko Tubun Ba Nyanzo Elia Kinga Makasi Sku Ayoke Linga Mawa Asali Linga Fede Out Famille Militaire Na Komi Pe Na Presente Na Mutuka Nde Ba Mimi Ngande Na Koma Kini Kukanga Baka Ngayi Noko Angayi Ya Letina Michel
Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'église. Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mon général. Monsieur le commissaire provincial adjoint, mon colonel. Officier supérieur, subalterne et agent de la police nationale congolaise. Madame, mademoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. À la suite des instructions des autorités politiques de notre pays, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient d'effectuer une vaste opération de ratissage des marginaux qui écume les 24 communes de la capitale. La grande moisson de Kuluna est là. Les efforts de lutte contre le banditisme ainsi que l'insécurité témoignent, comme vous les voyez, vous vous en rendez personnellement compte. La détermination du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa d'éradiquer toutes les poches de la criminalité afin de ramener la quiétude à Kinshasa. À l'issue de la cérémonie de présentation, ces inciviques dangereux seront transférés pour les centres de formation de service national de Kanyama KCC. Pour les protocoles, le programme de la cérémonie de ce jour ou de ce soir s'articule de la manière suivante. 1. Présentation des inciviques par les groupes de lutte contre la criminalité et stupéfiants. 2. Adresse de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville. 3. Derniers honneurs à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Fin cérémonie. À ces mots, nous invitons le Major Lando pour la présentation des inciviques. Commandant de service national, mon général, messieurs les commandants de la première zone de défense, mon général, messieurs les commissaires provincial de la police ville de Kinshasa, mon général, messieurs les adjoints du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mes commissaires supérieurs principaux, officiers supérieurs, subalternes de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités ici présents, dans le cadre de la réinsertion sociale des inciviques communément appelé Kuluna, au sein du service national, nous voici à la sixième vague de ces jeunes gens interpellés dans différentes communes de la ville province de Kinshasa par votre police. Au total, 375 inciviques interpellés, c'est hors la loi.
composé des chefs des écuries, voire même deux parmi eux qui sont des évadés du centre de Kanyama KCC du service national. Ils seront acheminés dès demain et tôt le matin à Kanyama KCC. Merci. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, c'est encore une grande joie aujourd'hui pour moi de me retrouver ici en cet endroit, de voir comment est-ce que notre police à nous continue à opérer de merveille. Parce que Kinshasa, comme vous saviez, commençait à prendre des allures d'une ville violente à cause des inciviques que nous appelons communément ici Kuluna. Aujourd'hui, encore une fois de plus, ça, les 375 Kuluna que vous voyez ici devant nous, c'est pour la sixième fois que le général Kasongo, qui est le commandant des services nationaux, va pouvoir les acheminer à Kanyama KCC. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la volonté également du gouvernement de la République. C'est la volonté aussi du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je félicite le commissaire provincial de la police, qui s'appelle aussi, comme son collègue du service national, Kasongo Silvano, pour le travail abattu. Celui de constater les infractions commises par les Kuluna, les appréhender. Comme vous le voyez, il a mis la main sur le Kuluna. Et cette vague ici que vous voyez, c'est une vague qui est composée de 375 Kuluna. Le mardi prochain, ça sera la septième vague. Ça, c'est la sixième vague. Et le mardi prochain, nous aurons la septième vague. C'est un grand travail que la police est en train de faire. Au fur et à mesure que nous avançons, Bakuluna, Bakuzana Susu, avec une chassaté. La Sobamiki, police, alors Kanabango, et puis service national, alors Mimabango, na Kanyama KCC, et Paiwapi, Bazarosa Bilanga. Bakosa Bilanga, Babi Susu, Bazarosa. Pour ça, la baban, pour la balle à Batanga, la balle à l'école baban, à la Boyokola, à la Boussaba, Missala et Batrouberi, et Missala Missoussou, Négin à Négin. Pour y avoir sipé, à la Boyokola, coupe couture, pour n'a, pour y avoir Négin à Boussono, pour Tonga, à l'âme. Alors, Bino Bakuluna, pour y avoir Sarabaninga à Bino, Batika Moussala et Kuluna. Ceux qui m'ont quitté, par le Nabino, il n'y a pas de bino pour nous aujourd'hui. L'obina Tongo Tongo, Pepo et Kukumba Bino, la Kanyama KCC, Bogosala Bilanga. On a volé sa bande de bino. Bomoni Simbiso passe Mingi. Bandeko Mingi, Bakoufil Gona Bino, Banlèvement Bosali Mingi, Bandeko Bele, Bakuma la Pota Nanzoto, Namotu, Paul Gona Bino. Il faut que tu aies un peu de temps, tu aies un peu de temps, tu aies un peu de temps,
pour ça l'enlèvement est pas alors ma compagne nous sont biso gouverneur à ville de Kinshasa pour penser à une mission à la police provinciale de Kinshasa pour n'avoir pas dans aucun abino donc voilà alors remercier la police nationale congolaise Namosala Yamalamo Oyo Asali Oyo Okangabakuruna Nenge Omoni Liboso Nabisu Ao. Sixième vague, mardi, tout à Tindika. Septième vague, et là au Kende, Kaine Magassis. Bravo la police. Bravo également au commandant de général Kassongo, qui est le commandant des services nationaux. Moussali Moussala, mon aîné, et Zagomonana. Et puis, tu vas continuer. Pour le cabinet, tu as mis dans la Kinshasa. 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 Pour le cabinet, tu as mis dans la Kinshasa. Tu as mis dans la Kinshasa. Tu as mis dans la Kinshasa. Le terrain public, tu as mis dans la Kinshasa. Malembe. Et côté du cabinet, tu as mis dans la encore une fois, merci infiniment, merci à la police provinciale de la ville de Kinshasa ainsi qu'au commandant des services nationaux. Merci. C'est le gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Ici prend fin la présentation des inciviques devant vous. Bien, merci. Livre à vos ordres. Contrôle. Je sais que les gens veulent en faire un peu comme du sensationnel, mais vous savez, dans chaque groupe où les gens sont formés, même ceux qui y vont volontairement, mais surtout lorsqu'il s'agit d'une formation militaire, policière ou paramilitaire, même ceux qui y vont volontairement, il y en a toujours qui arrivent plus à supporter les conditions, qui pensent que c'est toujours mieux de revenir à la vie ancienne. Nous parlons de 2 sur combien? Sur 1800, cela représente combien de pourcents? Ce n'est même pas 0,01%. Pourquoi on doit s'en inquiéter? Sur 1800, parce que vous vous rappelez, ça fait 6 vagues qui sont parties, 1800 qui sont 5 vagues qui sont parties, c'est plus ou moins 1800, mais il n'y a que 2 qu'on retrouve à Kinshasa. Pourquoi ça va nous inquiéter? 99,99% sont toujours là. Quelques journalistes ont été avec nous à Kanyamakassé, ils ont vu le travail qui est en train d'être fait. Mais ce n'est pas pour dire que nous allons minimiser cet aspect des choses. Nous allons tirer les leçons de cela. Cela va nous amener à pouvoir renforcer les mesures d'encadrement et les mesures de surveillance pour que cela ne se reproduise pas. Mais au-delà de tout ça, cela se passe bien. Tout se passe normalement à Kanyamakassé. La plupart d'entre vous, vous avez toujours été avec nous chaque fois que les opérations s'organisent. Nous allons les amener à l'aéroport, ils vont aller à Mbujuma et de Mbujuma ils vont aller à Kanyamakassé. Je vous rappelle encore une fois de plus, lorsque nous organisons ce genre d'opération, c'est que toutes les dispositions et les bonnes en amont ont été prises pour que les choses se passent convenablement. Vous m'avez seulement parlé, rappelé de récidivistes qu'on vient d'avoir ici. Mais au moins, vous ne parlez pas du côté positif de tout ce qui s'est fait comme travail sur le terrain. Autrefois, à la première vague, il y avait eu un tollé général à Kinshasa. Les organisations de défense des droits de l'homme et même certains milieux politiques s'étaient agités pour dire qu'ils n'avaient pas confiance en ce que le service national a fait. Mais aujourd'hui, quel est le bilan?
et largement positif. Nos enfants, parce qu'il s'agit de nos enfants, sont en train d'être encadrés. Les résultats sont positifs et je vous promets que dans les jours qui viennent, si pas dans deux mois, je vais amener une équipe de journalistes sur le terrain pour voir les résultats du travail qui est fait sur le terrain. Ils ont été encadrés convenablement. Du point de vue encadrement civique et patriotique, les résultats sont faramineux, sont fabuleux. Et là, nous allons passer dans la prochaine phase de la professionnalisation. Vos jeunes qui sont partis ici, que vous étiez en train d'appeler Koulouna, n'acceptent même plus ces termes de Koulouna. Lorsque vous les appelez comme ça, ils s'énervent. Ils veulent qu'on les appelle bâtisseurs. Ils sont devenus des modèles. Ils disent, nous avons laissé avec les antivaleurs, nous sommes maintenant des bons citoyens pour la République. Ceci, aujourd'hui, nous parlons des Koulouna, ils sont un peu agités, mais nous savons, nous en avons l'expérience. C'est le premier jour, les premières heures. Après 2-3 jours, vous verrez qu'ils vont se calmer. Ils ne vont pas dans un mouroir, ils vont pour être encadrés. C'est pour leur bien, c'est pour le bien de la nation. Ce n'est pas un acharnement que nous avons vis-à-vis de ces jeunes gens. L'État veut réguler la vie de la société. Et lorsque nous constatons et nous remarquons que ce mouvement est en train de perdurer dans la ville, le service national, la police nationale, et donc l'État doit s'assurer que cette activité est, comment je peux dire, on met fin à cette activité. Vous vous rappellerez encore, j'avais dit, tant que le phénomène Koulouna va exister dans la ville de Kinshasa, nous deux là, vous nous verrez toujours sur le terrain. Nous n'allons pas nous fatiguer. Et quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que les moyens vont suivre? L'État, entre l'État et les Koulouna, qui a plus de moyens? L'État a quoi qu'à faillite, hein? Donc nous allons être derrière eux pour les traquer jusque dans leur dernier retranchement. Mais ici, je voudrais porter une bonne précision, un élément de précision. Nous avons entendu, il y a de ceux-là qui pensent que non, voilà, nous allons faire des bêtises ici, on nous prend, on nous amène à Kanyamaka, ce sont des débouchés sûrs, on va nous engager, bon d'ailleurs là on va manger. Je voudrais vraiment ici passer un message, que la 6e et la 7e vague seront les dernières qui vont aller à Kanyamaka. Les prochaines vagues vont aller dans un lieu que nous tenons un peu secret. On va être plus sévère. Parce que s'il y en a qui pensent que non, bon voilà, comme il est un mouvement, ils se trompent. Il y a une limite. On a patienté, on leur a donné une chance. Vous avez suivi à la télévision, il y en a même ceux qui sont à Kanyamaka, c'est ceux qui ont dit, on vous donne une chance, venez ou arrêtez ces mouvements. Désormais, après la 6e et la 7e vague, les dispositions seront plus strictes. Ils ne vont plus aller à Kanyamaka, ils vont aller vers une autre destination où les conditions d'encadrement vont être beaucoup plus sévères. Voilà le message que j'allais dire. C'est une occasion pour eux, nous lançons l'appel aux parents de tirer les oreilles de nos enfants. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus dur. Ceux-ci vont aller à Kanyamaka, et après ces deux vagues, ça ne sera plus Kanyamaka, ça ne sera plus professionnalisation, ça ne sera plus, ça sera un peu beaucoup plus dur. Et comment vous allez faire par rapport à la question de Oui. De ces deux, nous allons tirer certaines informations. Nous avons compris au moins qu'ils bénéficient de certaines complicités. Est-ce que les complicités sont seulement locales ou elles ont des ramifications jusqu'ici à Kinshasa? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Parce que voir un jeune homme, Kanyamaka, c'est à 1200-1300 km de Kinshasa. Il est là, il parvient à arriver à Kinshasa. Je ne suis pas convaincu que ce soit seulement des complicités au niveau local. Au mois de décembre de l'année passée, j'avais parlé qu'il y avait certains acteurs à partir de la capitale qui tiraient les ficelles, je crois encore. Nous allons prendre des dispositions, mais jusque là je peux vous dire que nous sommes satisfaits parce que 2 sur 1800, comprenez que ce n'est pas très grave. Bon, population, ça va voir que l'État qu'on l'a battu. Donc continuer à traquer Bakuluna Wana. Vous voyez que Mikolo, Koulou, il m'a dit qu'on a juste mouqué dans le quartier, surtout dans le quartier périphérique. Alors, la police est aussi en train de façon que Batouana, tu as un peu toujours en collaboration avec le service national, ce qui, moi, place les alliés, ce qui place les athées, place les gens qui sont général à l'objet. Il y a la 6e vague, 7e vague et Gozala, après 7e vague. Je crois que les mesures plus efficaces et Gozala. Parce que les athées qui commencent à chaque fois, tu dis que tu es comme le cola, moi, c'est qui? Alors que les idées à que tout le monde a pour Koulouna premièrement et si là. Mais tout le monde qui est comme il est comme c'est qui. Quand il m'a dit que c'est comme le boulot, il m'a dit que c'est comme le boulot, il m'a dit que c'est comme le boulot.
Je crois que la 7e vague aux souk après, la musique aussi à ma casse aux ala. Il y a un bon maté, toujours dans le respect des droits de l'homme. Mais quand ça va prendre la place, il y a un souk na bilinguité à la casse. Aujourd'hui, plus de 375, il y en a qui pensent que tous ne sont pas Corona. Quelle est la réponse que vous donnez aux parents? Mais, il y a des gens qui ont été en Batoua na soki otuni bango na la koyebisa ki aza kulante ba fe zali fiche zali to ko se trompe peut-être na 0,01%, ça tout à fait normal, c'est every man, mais à vraiment 99% sont des kuluna de vrais kuluna bazawana. Mais bamo susu to kangi bango to la bango to tidi bango na ba service to fond na bango avec document parqué. Ceux qui famille pendant un mois, nous avons couru l'antenne, nous ne pas un mois. Non. Il y a un réclamé que non, nous avons besoin de couru l'antenne. Nous avons besoin de l'enquête. Ce que nous avons besoin de couru l'antenne, c'est que nous avons un commissariat provincial pendant que nous avons besoin de couru l'antenne. Ceux qui ont couru l'antenne, nous avons besoin de couru l'antenne. 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 Nous avons besoin de couru. Non, risque zate zali bango bakimi. Bakansi que l'état zate, l'état lexi bango que l'état za l'état. Bakimi baya to récupérer bango sou kende kuna, bango skrive bango makasi, bakimi kende. Amake nzela nini nzela zate. Kwa zaka ka lokola mouvement masse plus de 1800 ni balé bakimi, c'est rien. Bakimi peto kangi bango bazoki kuna bako za surveiller de façon que basi sa nini formation na bango balongola makama mabeza na mutula bango ba denson to ba denson to kike bango de façon que ba diamba bana mela wana esi bango na mutu baza iki la société. Merci. Yo koloba nini par rapport ya arts bo sala ki pe bakangi bino nini oyo boko za lokola conseil te moko moko ki na nga wa kainga pa ti na ta ba ndo na bino pe nga ta ti nga ta ma pe la ta na ku ta ma ti na pe ti ni ku ni te lu ti ba ndo na bino ba ko le si ko conseil ni no pe sa ba ndo ko ba ti kali o ba sala ma be. Ok, c'est bon. Je suis en train de me faire un peu de temps.
À Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Mission TV, le miroir du monde.